Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le poulailler de Léo pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, donc aujourd'hui, je vais vous aider à choisir votre poule, et aujourd'hui plus précisément, la poule marron, toutes ses caractéristiques dans cette vidéo. Juste après le petit générique, à tout de suite. La poule marron est une poule qui fait partie des races françaises les plus anciennes. Elle est originaire du marais poitevin, proche de la Rochelle. La poule marron a de nombreuses particularités, comme plusieurs plumes aux pattes, et son plumage est noir avec des reflets bleutés. Mais surtout, la poule marron est connue et surnommée la poule aux œufs d'or, car ses œufs ont l'originalité d'être de couleur brun foncé et la coquille est aussi d'une épaisseur supérieure à la moyenne. Ses œufs ont aussi un meilleur niveau de conservation. Ses œufs ont tout pour plaire à tout consommateur. La poule marron est l'une des meilleures poules pondeuses, classée généralement à la 5e ou 6e place, avec une ponte de plus de 200 œufs par an, allant de 170 à 250 œufs pour chaque individu. Alors que la moyenne actuelle de poules pondeuses se situe entre 150 et 170 œufs par an pour les autres poules. Cette race est accessible au prix de 35 euros pour une poule adulte pure race, 25 euros pour des plus jeunes, et l'œuf prêt à couver vaut environ 2 euros. La marron a plusieurs coloris comme le noir à camée cuivrée qui est la couleur du plumage la plus répandue, le noir à camaille argentée ou encore le blanc. Donc j'espère que la poule marron vous aura séduit autant que moi et donc c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à laisser votre like et votre commentaire. Allez, bye bye tout le monde.